crois que tu vas faire peur à Sam. T'es qu'une vieille baraque, rien de plus. C'est bien la première fois que je rentre là-dedans. Bon. Ouais. C'est ma première visite. C'est ça. J'ai jamais vu une cochonnerie pareille. Et vous êtes là, Montalbourg ? Hey ! Où est-ce que vous êtes ? Je vous conseille de sortir de là, si vous voulez pas que je vienne vous chercher. Je vous avertis que je descends. Je descends. Sortez de là. Y a rien.
C'est là, monsieur Arnold. On vous a fait attendre, mais nous y voilà. Et quel était le problème, au juste? Il a fallu qu'on procède à toutes les vérifications d'usage. Malgré votre longue expérience en matière de désintoxication, certains membres du comité se posaient des questions. Nous ne doutions pas que votre centre soit une opération profitable, mais votre organisation est sans précédent. Et c'est pourquoi nous tenions à prendre certaines précautions. Et si au moins vous aviez été affilié à une église, à quelque organisation religieuse... Je considère que la plupart des organisations religieuses relèvent de l'hypocrisie. Je vois. C'est peut-être là une opinion un peu violente, non? Nous savons tous deux qu'on n'arrive à rien par la tiédeur. En matière d'opinion, c'est exact. Je comprends pas, le gardien devait nous attendre à la porte. Sam! Il est peut-être entré. Possible. Il a peut-être trouvé une bouteille. Sam! Sam, vous êtes là? Venez. Sam! Pardon. Entrez, je vous en prie, entrez. Sam! Il n'y a pas de lumière? Non, je suis désolé. Il y a longtemps que l'installation électrique ne marche plus, mais tout le reste est en parfait état. Ah, attendez, je vais vous donner de la lumière. Là, voilà. Vous savez que personne n'a habité cette maison depuis des années. Le vieux monsieur Vargas, qui l'avait construite, est mort à 30 ans. Pourquoi dites-vous le vieux, alors? C'est une façon de parler. Les héros des vieilles histoires vieillissent avec elles. On raconte que le jour de ses 30 ans... Ses cheveux sont brusquement devenus blancs et que personne ne l'a revu après. Ça se passait bien avant la guerre de sécession, bien entendu. Plus tard, la maison est devenue un conservatoire de musique pour jeunes filles. C'est à cette époque qu'on a rajouté un certain nombre de pièces. Mais l'école a très vite fermé. Ici, c'était la salle à manger principale. Très intime. Ensuite, la maison est restée vide jusqu'à ce que la ville la rachète. Après quoi, elle est passée sous la responsabilité du bureau pour le développement de la région au début du siècle. Et depuis tout ce temps, personne n'y a vécu. Mon bureau n'a jamais reçu aucune offre depuis 25 ans. Vous êtes les premiers à vous y intéresser. C'est magnifique. Les Indiens avaient une peur effroyable de cet endroit. Il y avait des soufrières, des émissions de vapeur. La légende appelle cette région... la vallée du diable. On dit que c'est pour cela que Vargas a construit sa maison ici. Il l'a bâtie juste au-dessus d'une source thermale. Où est la chaleur? Des bains thermaux, peut-être. Qui sait? C'est magnifique, mais c'est terriblement isolé, non? Non, en fait, ça n'a pas servi à grand-chose. Dès que la maison a été terminée, il n'y a plus eu de source. On dit qu'elle s'est tarie, comme s'il l'avait obturée lui-même. En tout cas, c'est pas l'espace qui manque. C'est vrai. Mais tu sais, ça va demander beaucoup de travail. Bon, nous avons des volontaires. Il y a 200 pièces dans le bâtiment principal. Et il y a la maison du gardien qui est derrière. Vous n'avez pas intérêt à garder Sam, je crois. On ne peut pas compter sur lui, comme vous le voyez. Chaque fois que j'en ai besoin, il n'est pas là. Il n'est pas sérieux. Mais ce ne sera pas un problème pour vous. Vous lui trouverez facilement un remplaçant. Je suis certain que tout s'arrangera très bien. Comme je vous l'ai dit, la maison est restée vide pendant des années. Je suis très heureux que vous ayez décidé de vous y installer, bien que cette idée n'ait pas été approuvée par tout le monde. Mais ça n'a pas d'importance. Caroline, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Je suis fatiguée, c'est bruit de travail. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, encore des pièces remplies de fantômes.
Vous disiez que tout le monde n'approuve pas que je m'installe ici. C'est vrai, vous savez, quoi qu'on fasse, on mécontente toujours quelqu'un. Il y avait pas mal de gens qui voulaient que cette maison reste vide. Il y a même eu une proposition de certains notables qui demandaient qu'on la fasse détruire. Mais la maison Vargas, c'est une sorte de monument historique. Pourquoi voulait-il qu'elle soit détruite ? Oh, il y a des bruits qui courent, il y a certains incidents qui se seraient produits ici. Le genre de choses qu'on ne doit attribuer, comme vous le savez, qu'à un excès d'imagination. On raconte toujours toutes sortes d'histoires quand une maison reste inoccupée pendant des années. Quel genre d'histoire ? Oh, rien. Des histoires. Des contes à dormir debout. Attention ! Oh mon Dieu ! Tu n'as rien, ça va ? Non, ça va, je n'ai rien, ça va très bien. Tu es certain ? Tu aurais pu être tué. Non, ça va. Non, je suis absolument désolé. Mais non, ne vous excusez pas, voyons, c'est pas votre faute. N'en pas une montagne, hein. Je suis sûr que tu n'as rien, je suis sûr que tu n'es pas blessé. Écoute, assez, je t'en prie, je n'ai rien. Attends. N'en parlons plus. Comment n'en parlons plus? Mais ça aurait pu être grave. Monsieur Decker, est-ce que je peux vous donner un conseil? N'épousez pas un docteur. En dépit de ce que vous appelez des histoires, je suis prêt à régler l'affaire immédiatement. Ah, très bien, j'en suis enchanté, monsieur Arnold. Dans ce cas, nous pouvons passer au bureau, vous signerez l'engagement. Parfait. Ne dérangez pas celui qui est ici et qui est enchaîné. Je suis convaincu que toutes les histoires qu'on vous racontera maintenant sur cette maison ne vous impressionneront plus. Caroline ! Les lois de la physique sont logiques, positives, constantes. Il n'en est pas ainsi de l'univers de la psychologie. Mais la lumière, le rayon concentré et puissant de la lumière sous forme de connaissance, de compassion, de compréhension, peut ouvrir un esprit, ou si elle est mal dirigée, le détruire aussi sûrement que le rayon laser désintègre sa cible. Ah, je voulais vous remercier tous de votre attention durant ce semestre. Certains d'entre vous, par accident ou volontairement, reviendront le prochain semestre. Ma thèse est terminée. Je pense que quand vous reviendrez, j'aurai mon doctorat et que vous serez donc dispensé de mes laïus. J'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose pendant ces cours. Bonnes vacances. Vous avez été formidable, mon cher professeur. Demain, je devrais vous appeler docteur, peut-être. Mais pourquoi pas, votre excellence, hein? Je trouve que ça a plus d'allure. Ouais, d'accord. À propos, Sidney va appeler cet après-midi. On a rendez-vous avec lui à 9h demain matin. Alors, il est à la maison, ça y est? Oui. Oh, c'est chouette. Vous aurez de quoi vous occuper cet été? Oh, super, est-ce que je suis contente? J'ai discuté de votre cas avec le doyen et il m'a dit qu'il acceptait de considérer comme travaux pratiques le travail que vous allez faire cet été. Tu es fantastique, Suzanne. Non, mademoiselle Belden, moins de familiarité, je vous en prie. On va chez toi ou on va chez moi? Tu es folle, tu sais ça? Mais quand il a affaire à une folle, un psychologue ne lui dit jamais ça. Je te dis que tu es dingue, mais je t'aime parce que tu es belle. Est-ce que tu te rends compte qu'on va passer tout l'été ensemble? Mademoiselle Belden, je vous ai déjà trouvé un emploi, que voulez-vous de plus? Est-ce que tu crois que je vais travailler la nuit? Bon, d'accord, j'ai eu tort de poser la question. J'aurai l'occasion d'en reparler. Je suis content d'aller là-bas. Ça donnera à Sidney la possibilité de prouver la valeur de ce qu'il fait dans son domaine et moi dans le mien. Et c'est pour tu ça écoutes. Quoi? On dîne ensemble, monsieur le professeur. Oui. On va fêter ça au champagne. Chez moi, peut-être. Chez moi. Où tu voudras. Après, vous pourrez installer les tuyaux d'écoulement au second. D'accord. Hein? Salut, ça va? Salut, Dwight. Ça va et toi? Ça va. Je vous attendais.
T'as vu l'orage qui se prépare? J'espère qu'on va pas avoir d'ennui. Salut. Alors, Dwight, qu'est-ce que tu en dis? Ce qui me paraît certain, c'est qu'on ne manquera pas de place. C'est Sam qui t'a fait entrer? Sam? Quel Sam? Le gardien. Non, j'ai pas vu de gardien. Tu as été voir derrière? J'ai été voir, mais j'ai rencontré personne. Bon, ben, Decker doit avoir raison. Il m'avait dit que Sam n'est jamais là au moment où on a besoin de lui. Tu me donnes les clés, s'il te plaît. Ah, oui. Tiens. Attention aux marches! On va avoir de la lumière aujourd'hui? Ben, je vais voir ce que ça donne. Mais le générateur marche pas très bien, et s'il y a un orage, je garantis rien. Hein. Fais ce que tu peux. Je peux pas être trop exigeant, étant donné ce que je te paye. Sans toi, mon frère sera enfermé. Personne dans le coin qui a un gardien? Ah non, personne. La statue. Viens voir. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai l'impression que... Que quoi? Je suis certaine que... Que quoi? Je suis sûre qu'elle a remué, je l'ai vue. Tu as vu la statue remuer? Vraiment remuer? Je ne vois aucune différence. C'est peut-être un effet d'optique ou une ombre. Je sais rien. Ah, oui, c'est ça, certainement. Tu as raison. Ah oui, ça m'étonnerait qu'elle ait bougé. Hein. Alors quoi? Il y a quoi qui vient d'accueil? Viens, allons voir. Hé, hey, on est là! Il y a quelqu'un? Sydney! Ah, c'est vous, vous êtes déjà arrivés? Eh oui, c'est nous. Salut, Félicia. Je peux t'offrir un chocolat? Oui, merci beaucoup, Pete. Oh, ça commence, très drôle, Peter. T'as un peu passé l'âge. Eh ben, ça va mourir de rire, non, comme gag? Ah oui, toi aussi. Hé, hey, Dwight, viens, je vais te présenter. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, pas mal. J'ai jamais vu une aussi grande maison. Oui, mais pourquoi on a besoin de tant de place? Ben, pour vous dire la vérité, c'est le prix qui me convenait. Oh, dans ce cas, je n'ai plus rien à dire. Ah, Dwight, je te présente Mary Harper. Et voilà Felicia Allen. Je commence à me plaire ici. C'est quoi votre nom? Mary. Non, j'en fais. Elles font partie du comité de réhabilitation. Et heureusement. Chef cuisinier, Pete Brooks. Salut. J'ai déjà. Eh, dis donc, t'as oublié quelqu'un? Kaiser est là aussi. Bah, et celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, lui, rien, mais tout le monde l'écoute quand il a quelque chose à dire. Ah, j'espère qu'il est dressé. Salut Raymond. Salut Sydney. Tiens, apparemment, il amène une nouvelle recrue. Comme tu vois, je vous présente mon élève et ami, Laurie Belden. Ah, je sens qu'il s'en fait de plus en plus ici. Le donjon du coin. Il est évident que la première chose à faire, c'est de nettoyer la maison. Oh là là, bonjour, le nettoyer la maison. Pas tout à la fois. J'ai prévu un mois. On va commencer par les chambres à coucher et la salle à manger où nous sommes, la salle de bain et enfin la cuisine. Au risque de passer pour un phallocrate, je dirais que c'est aux dames de s'occuper de la cuisine. Oh, non, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben, bon, si cette mission déplaît aux dames, elles peuvent nous aider, Peter et moi, à nettoyer les toilettes. Oh, chouette, moi, la corvée de chiottes, j'adore. Et la lumière, on va en avoir besoin? Oh, j'ai acheté des produits de nettoyage en ville. Bon, je voudrais surtout pas briser cette joyeuse ambiance, mais si je m'en remets pas au boulot, j'aurais jamais fini. Est-ce qu'on pourra faire du feu, au moins? Oui, toutes les cheminées fonctionnent. Et pour répondre à Félicia, Dwight, comment va-t-on s'éclairer? Les services de la ville ne sont pas prêts de venir. Ouais, tu as raison. Ben, on a une bonne équipe ici, et on doit pouvoir arranger ça.
Ce serait vraiment dommage de nous priver du plaisir de regarder toutes ces charmantes personnes. Gilles a dû mettre en marche le premier générateur. Et on devrait avoir des lumières de secours ici. Et je pense que les trois générateurs fonctionneront demain. On va commencer par le rez-de-chaussée. Et il va y avoir des câbles un peu partout. Tâchez de ne pas vous prendre le pied dedans, hein. Ça risque d'être dangereux. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit. Parfait. Bon, on va remettre ce palais en état. On va avoir du travail. Alors autant nous y mettre le plus vite possible. Alors les enfants, allez, au boulot. Au travail. Ouais. Ouais. Bon, on commence par où, là? Kaiser. Par le... Est-ce que quelqu'un a vu Kaiser? Il est peut-être dans le hall. C'est Kaiser. C'est lui. Kaiser. Mais où est-il? Kaiser. Je dirais qu'il vient quelque part en dessous. Sidney, où est la cave? Je ne sais pas. Il y a sûrement un escalier qui y mène. J'ai vu une porte. Hé, Peter, regarde dans le hall. Il nous faut une lanterne. Tu as changé une. Attends, attends une minute. Appelle-le encore. Kaiser. Sinek. Ah. Je vais passer le premier. Suivez-moi. Attention. Kaiser. Oh, c'est horrible cet endroit, j'ai jamais eu aussi peur. Kaiser. J'ai jamais vu morte quelqu'un, c'est incroyable. Qu'est-ce qui lui est arrivé? En tout cas, tu n'as que des égratignures. Voilà. Ça doit aller comme ça. On a cherché partout, Mary. Pourtant, je ne pense pas qu'il ait pu sortir de la maison. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Il a peut-être eu peur de quelque chose. Je l'ai depuis des années, je l'ai jamais vu se conduire comme ça. Il n'avait jamais attaqué ni mordu personne. Il doit sûrement se cacher. Quand il en aura assez, il se montrera. Et t'inquiète pas, il reviendra. Oui. Bon, en attendant, je vais monter. On doit avoir besoin de moi et ça va... Non, 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 reste ici. Et tâche de te reposer un peu. Non, je t'assure, ça va. Ça m'aidera à penser à autre chose. T'es sûr? Oui.
Bon. D'accord. Allez, viens, Mireille. Je monte avec toi. Oui, je viens. Ne t'inquiète pas, on le retrouvera. Merci. Sidney, cette maison me fait peur. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'impression que... Je sais pas, il y a quelque chose. Explique-toi. Je sens quelque chose de magnifique. Ah, dis-moi que je suis folle. Oh, écoute, Caroline, si c'est de l'incident du chien que tu parles, c'est parfaitement explicable. Je vois pas comment, Sidney. Moi, si. Les chiens ont une sorte de sixième sens que nous n'avons pas, et tu l'as vu dans la cave tout à l'heure. Oui. Tu vas pas me dire qu'il était dans cet état parce qu'il a peur du noir. Si, c'est ce que je vais te dire, parce que je sais que c'est vrai. Oh, Sidney, j'ai peur. Allons, allons. Ce genre d'incident pourrait effrayer n'importe qui. Mais pour un docteur, il me semble que tu laisses un peu trop galoper ton imagination. Ça va mieux? Bon, je vais aller surveiller mes esclaves. C'est toi qui as fait tomber quelque chose? Ah, tu as fait du feu, c'est une bonne idée, ça. Qu'est-ce que c'est? Le journal d'Emilio Vargas. Il a dû avoir une vie bien remplie. Les pages sont toutes vierges. Forte et grande âme qui viendra poser sur la porte le sceau sacré. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Le Dieu qui est maître de la vie et de la mort jusqu'à la fin des temps lorsque nul être humain ne pourra libérer la bête qui sommeille. J'ai vu cet homme. Tu as vu qui? L'homme qui a bâti cette maison. Je te dis que je l'ai vu. C'est lui qui a allumé ce feu. Caroline, l'homme qui a bâti cette maison est un excentrique qui est mort depuis plus d'un siècle. Mais cela dit, ce livre me paraît intéressant. C'est en tout cas un document. Quant au feu, c'est probablement Dwight Raymond ou un des ouvriers qui l'a allumé. Je sais que ça peut paraître idiot, mais... Je crois que ce qui se passe, c'est que...
C'est qu'il est en train d'essayer de nous dire quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est en train de nous dire quelque chose? Je pense qu'il veut nous mettre en garde. Il veut qu'on s'en aille. Peut-être. Attendons la suite. Il va y avoir un sacré orage. Ouais. Oh! Oh, il faut que je m'arrête. Parce que j'ai mal. Pourquoi il y a des barreaux ici? J'en sais rien. C'était une école. C'était peut-être pour que les élèves ne partent pas. Quel drôle d'endroit. Je sais pas, mais c'est bizarre. Tu peux m'aider? Félicia! Oh, excuse-moi, je pense à autre chose. Oh, qu'est-ce que c'était? Comment veux-tu que je le sache? Ça va? Ah ouais. C'est pas trop lourd? Hein, ça va. Bon, alors. J'aimerais te demander quelque chose. Je sais que c'est peut-être indiscret, c'est pour ça que je t'en ai jamais parlé. Mais si ça t'embête, t'as qu'à pas répondre. Comment est-ce que tu es entrée dans ce groupe? Je vais te montrer quelque chose et tu comprendras. Tu vois ça? Tu sais ce que c'est que ces marques? C'est Sidney qui m'a désintoxiqué. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Ça répond à ta question? Ouais. C'est une blague. C'est rigolo, hein? Bon, alors, où est votre sens de l'humour? Oh, faites pas cette tête, je trouvais que c'était drôle. Et Félicia, tu m'aides à descendre? Et puis quoi encore? Si t'as été ces malins pour tout le pendre, t'auras qu'à te dépendre tout seul. Allez, viens, Laurie. Il réfléchira un peu la prochaine fois avant de faire la nuit. Non, mais attendez! En soyez pas vache, aidez-moi! Mais puisque je me suis excusé... Oh, Félicia, tu vas pas me laisser comme ça! Reviens, quoi! Sidney, tu descends pas à la cave. Ah, si je veux vérifier la chaudière, je ne peux pas faire autrement. Non, je t'en prie, je veux pas que tu y ailles. Si je vois des fantômes, je te le raconterai. Quand est-ce qu'on va se coucher? Dans une quinzaine de minutes. Est-ce que j'ai le temps d'aller voir si je retrouve Kaiser? Ça m'embêterait qu'il passe la nuit tout seul ici. Oui, vas-y, on t'attendra. Mais emmène quelqu'un avec toi. D'accord. Félicia! Ray? Tu peux venir avec oui, moi je peux te poser une question. Bien sûr. Est-ce qu'il peut y avoir certains phénomènes dans ce genre de maison qui causeraient l'apparition de... fantômes? Écoute, si t'étais un chien, où est-ce que tu irais? Tu crois que c'est le moment de faire de l'esprit? Mais je fais pas de l'esprit, je cherche une explication logique à ce qui s'est passé. La logique n'a rien à voir dans cette histoire. Admettons qu'on arrive à comprendre ce qui lui avait fait peur, c'est pas ce qu'il nous dira, oui. Ouais, t'as peut-être raison. Mais qu'est-ce que tu crois qui lui a fait peur? Je dirais que c'est cet imbécile de Pete qui n'avait pas été dans la pièce que nous. Tu t'avais vu la blague idiote qu'il nous a faite. La pauvre Laurie a failli s'évanouir de peur. Les blagues de Pete, c'est quelque chose. Remarque, j'ai peut-être tort d'être si méchante avec lui. On peut toujours compter sur lui quand on en a besoin. Seulement, j'ai peur qu'un jour, il fasse une blague à quelqu'un qui va le prendre mal et qu'il se retrouve avec quelques dents en moins ou pire. Hé! Hey! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors? Ça doit être une sorte de monte-charge, je suppose. Attends. Kaiser? Kaiser?
Kaiser. Kaiser. Blessé? Oh. Caroline. C'est Nell en dedans. Allez, viens. Sortons d'ici. Allez. Il y a qu'à sortir par la porte. Aidez-moi. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on sorte d'ici. Viens par là.
Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Jamais on ne pourra s'en aller. Vous voyez bien qu'on est prisonnier. Jamais on n'arrivera à s'en sortir. Laurie. On est enfermé, il n'y a pas d'issue. Jamais on s'en sortira. Tu vois bien qu'il n'y a rien à faire. On est prisonnier, on ne pourra jamais sortir d'ici. Écoute-moi, tu n'as rien à craindre. On s'en sortira, tu verras. Non. Calme-toi, chérie, calme-toi, je t'en prie. Tout va s'arranger. Je te le promets. Je pense que ce ne sera rien, Félicia. Mais il faut bien te reposer, d'accord? Caroline, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que tu as reçu un bon coup sur la tête. Et qu'il vaudrait mieux que tu ne remues pas trop. Je ne pense pas qu'il y ait de fracture, mais... Tu étais très commotionnée, tu sais. Alors surtout, reste bien tranquille. D'accord. Merci. Je reviendrai te voir tout à l'heure. D'accord. Bon, voilà. Doit être mort. Et le cadavre dans la cuisine doit être celui du gardien. Et pour l'instant, on est prisonnier ici. Voilà les faits. Un de vous voit une explication logique de ce qui s'est passé? Logique, peut-être pas, mais supposons qu'au cours des années, cette maison se soit imprégnée des pouvoirs naturels qui l'entourent. Je veux dire, par exemple, les conditions atmosphériques qui règnent dans cette région, et que ces pouvoirs se soient brutalement manifestés. Ça ne me semble pas très convaincant. Oui, tu as peut-être raison, mais c'est une théorie comme une autre, et c'est surtout la seule jusqu'à présent. Moi, je crois que ça a un rapport avec l'orage. Comment ça? Ça n'en sait rien. Bravo, putain. Tu n'es pas très convaincant non plus. Bon, ben, en tout cas, ce serait peut-être une explication. Ces portes qui ne s'ouvrent pas, ces vitres qui ne se cassent pas... Raymond, tu sais que l'électricité statique peut provoquer des phénomènes parfaitement incroyables. Est-ce que tu crois que ça pourrait expliquer que Kaiser soit devenu fou? Non, ce n'est pas l'orage. Je suis sûr qu'il y a autre chose. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne peux pas vous l'expliquer. Mais je crois que la clé du mystère est dans le journal. Caroline, et quel journal? Dans le bureau, j'ai trouvé un vieux journal. Dont toutes les pages sauf une étaient blanches. Et qui contenait une énigme. C'était des vers. Je crois qu'il est possible que ce soit une sorte de mise en garde. Pourquoi dis-tu ça? Juste avant, j'avais vu comme une apparition. Je suis sûre que c'est vrai. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à un spectre, j'en suis certaine. Il était dans cette pièce. Et alors, il m'a fait signe d'aller dans le bureau. Et c'est là que j'ai découvert le journal. Et ce n'est pas tout ce que j'ai vu. Tu as eu une vision. Je ne sais pas ce que c'était. Ça disparaissait très vite. Je pense qu'il a dû se livrer un grand conflit dans cette maison. Un conflit entre qui et qui? Le bien et le mal. Explique-toi. Tu veux dire entre Dieu et le diable? Je sais rien. Bon, continuez à discuter théologie si ça vous fait plaisir. Moi, je vais chercher un moyen de sortir d'ici. Ah, attends, c'est neuf, viens avec toi. Ouh.
entendu. Allons voir. Calme-toi. Voilà, voilà. C'est fini. Calme-toi. Calme-toi, Félicien. Raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est entré dans la chambre. Il m'a frappé. Il m'a jeté par terre. De qui parle-t-elle? Elle fait rire. Elle a dû faire un cauchemar. Félicien, il n'y a personne ici. Personne. Mais emmenons-la avec nous. Tu es toute seule. Venez. Il n'y a personne. Emmenons-la en bas, on la calera près du feu. Calme-toi maintenant, calme-toi. Viens avec nous. Là, voilà. C'est ça. Doucement. Ah. Voilà. Voilà. Calme-toi. N'aie pas peur, Félicien. Tant qu'on ne saura pas au juste ce qui se passe, il vaut mieux qu'on reste tous ensemble. Surtout, ne laisse personne s'éloigner tout seul, d'accord? Oui, tu as raison. Que ça suffira. Il faudra bien. Et vous voulez que j'aille chercher les autres? Je vais d'abord essayer. Si ça marche, tu pourras leur dire de venir. Vous? Malgré tout le respect que je vous dois, il vaudrait mieux que ce soit moi qui y aille. Ah oui, pourquoi? Eh bien, je vous fais confiance, mais on ne peut pas savoir quel poids ça supportera. Vous pouvez me permettre? Vous avez quelques kilos à perdre. C'est moi le responsable. C'est moi qui vous ai entraîné ici. Je ne veux pas que tu risques ta vie. On ne m'a pas obligé à venir. Si je n'avais pas voulu, je pouvais refuser. Mais regardez les choses en face. J'ai 20 ans de moins que vous. Non, Sidney. Vous n'avez rien à me prouver. Je vous connais. Oui, tu as raison. Allez, vas-y. D'accord. Attention!
j'ai rien pu faire. J'ai essayé, mais j'avais rien à faire. D'abord Dwight, et puis l'homme dans la cuisine, maintenant Peter. Cette maison veut tous nous tuer. Non, ce n'est pas la maison. C'est quelque chose dans la maison. Ça n'a rien de réconfortant. Nous sommes ici avec ce quelque chose. Le vent s'est brusquement levé. L'orage est devenu plus violent. Et j'ai eu... Enfin, j'ai essayé... Mais il est tombé. C'est ma faute. Tout est ma faute, je sais. C'était une idée idiote. Mais ça ne peut pas être la foudre qui aurait touché le câble. Oui. Oui, c'est sûrement ça. Comment peux-tu dire c'est sûrement ça? Il y a dans cette maison une force inconnue qui régit tout, et je pense qu'il est temps que vous l'admettiez. Et pour quelqu'un comme toi, qui passe son temps à trouver de nouvelles réponses, je crois que c'est l'occasion rêvée de te creuser les méninges. C'est la foudre, c'est logique. Mais rien dans cette maison n'est logique. Oh, c'était facile de faire ce genre d'affirmation. Tu ne pourrais l'expliquer que par des théories qui ne reposent sur rien, si ce n'est sur un excès d'imagination. Et sais-tu à qui je dois ce que tu appelles un excès d'imagination ? Au fait que pendant des années, j'ai assisté avec assiduité à tes cours de psychologie, mon cher professeur. Je t'en prie. Oh, n'en parlons plus, ça n'a pas d'importance. Seulement, laisse-moi te dire que tout ce que tu as accompli, il a été par des méthodes empiriques, en laissant libre cours à ton imagination. Et si je ne croyais pas à ce que j'affirme, si je ne croyais pas en toi, je ne serais pas ici. Et ça vaut pour nous tous. Alors inutile de nous faire croire qu'il ne fallait voir dans tes leçons qu'un tas de belles paroles creuses, parce que je sais que tu mens. Je sais ce que tu penses. Je suppose qu'elle... Je suppose qu'il va falloir faire travailler notre imagination. Je le crois aussi, monsieur le professeur. En voilà une surprise. Le générateur fonctionne. Tiens, regarde ça. Les dents ont l'air presque lisses. Ah oui, complètement émoussées. Comme si le bois de cette porte était pétrifié. Dwight devait avoir une lame plus forte. Où est la trousse à outils? Dans la cuisine. Je vais la chercher. Carly! Carly! Je sais pas comment on sortira d'ici. Allez, viens. Sidney, tu te souviens de ce que M. Decker nous avait dit sur la maison? La légende de la source sulfureuse. Oui, je me souviens. Il a dit qu'elle était tarie, n'est-ce pas? Qu'elle était tarie depuis le jour où on a bâti la maison. Moi, je crois que Vargas savait ce qu'il faisait. Écoute, Carly... Parce que depuis que la maison s'est refermée sur nous, tu n'as pas remarqué que ça sent le souffle? Je ne peux lutter contre un adversaire que si je crois qu'il existe. Oh! Cette scie ne fonctionnera pas, rien ne fonctionnera. C'est possible. Attends. Quand on est arrivé, j'ai remarqué qu'il y avait des paratonnerres partout. Si jamais il nous reste suffisamment de câbles pour qu'on puisse relier les collecteurs à ces barreaux, on pourrait créer un champ énergétique et produire une chaleur suffisante pour les tordre. Sidney, je te dis que rien ne marchera. On ne risque rien à essayer. Non.
Du haut, trouve quelque chose qui puisse servir de bandage. Qu'est-ce que je peux faire? Trouve-moi un morceau de bois, n'importe quoi. Ça sera rien, t'inquiète pas. Je vais chercher ma sacoche. Ça sera rien. Tu as vu ce que lui a fait cette chose? C'est le chien, Caroline. Mais non. Mais quand vas-tu comprendre, Sidney? Ça n'est pas un chien. C'est quelque chose en lui. Quelque chose que j'ai entendu rire et hurler. Quelque chose c'est dans une idée le que chien. Je n'accepte pas. Non, je n'accepte pas. Je voudrais y croire, mais je ne peux pas. Où sont les autres? Ils sont dans le solarium. Raymond, sa main, Sidney. Écoute-moi, Caroline. Autant que tu saches, il risque de la perdre. Oh mon Dieu. Je suis désolé. Oh, Sidney. Ah, je suis désolé, chérie. Je ne peux rien y faire. Je suis désolé. Tâche de te reposer un peu. Ça devrait souffler le mur tout entier. Et même si ce n'est pas le cas, toute la maison va s'embraser comme un arbre de Noël. Ça attirera au moins l'attention sur nous. Et alors, si nous on ne peut pas sortir d'ici, qu'est-ce qui te fait croire que quelqu'un pourrait y entrer? Je crois pas, j'espère. Vraiment? Oui, on est ici. Sidney, est-ce que tu as trouvé un moyen de nous faire sortir d'ici? Rien de très logique, j'en ai peur. Où est le corps de Mary? Je l'ai mis dans le couloir de l'entrée, près de l'escalier. Le chien était bien là, mais pas le cadavre de Mary.
J'ai trouvé ça dans la cave, mais je ne me rappelle pas l'avoir remonté. Où était-elle? Là, par terre, à côté de moi. C'est Vargas qui me l'a montré. Vargas? Enfin, pourquoi est-ce que je suis la seule à le voir? Parce que tu crois en Dieu. C'est un des sujets que je traite dans mes cours. La psychologie de la religion. Le folklore, les légendes. L'idée d'une force suprême, d'une force universelle, en lutte constante contre le diable et les démons. Une notion aussi intangible que l'âme humaine. Je n'y ai jamais cru. C'était mon sujet de plaisanterie préféré. Je n'arrive pas à croire que je mérite tout cela. Il n'y a personne au monde qui soit ce que tu es. Eh bien, et toi alors? Et Raymond, Félicia et les autres? Nous sommes tous uniques. Mais c'est toi qui le veux. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je sais pas. Vargas veut nous aider, ça par contre, je suis sûre. Il doit y avoir une clé de cette prison. Le journal. Tu te rappelles ce que tu as dit? La clé est dans le journal. Fais voir. Il n'y a rien, rien que des pages blanches. Attends une minute. Là. Un ange innocent nous fut envoyé par le ciel, détenteur de la clé du puits de l'abîme. Il tenait une chaîne à la main. Il s'est emparé du dragon et du serpent qui est le diable et Satan et pour 1000 ans l'a ligoté. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Retour de Satan des profondeurs de l'abîme, révélation. Le serpent qui est le diable et Satan et pour 1000 ans l'a ligoté. Ouais. Et il l'a précipité dans le puits de l'abîme où il l'a enfermé et il l'a scellé fortement afin qu'il ne nuise plus aux nations du monde. Ainsi, pendant des siècles, il sera privé de ses pouvoirs. Et lorsque les 1000 ans seront passés, Satan sera libéré et sortira de sa prison. Ne t'approche pas! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Descends, Laurie, dépêche-toi et tâche d'accrocher le câble. Oui, j'y vais. Voilà,
l'interrupteur. Je vais arranger la connexion. Non, non, c'est pas la peine. Ça va comme ça. Non, il faut que ça tienne bien. Je veux sortir d'ici. Bon, mais dépêche-toi, l'orage est à son point culminant. J'en ai pour une seconde. Vite, Felicia. Caroline. Caroline, qu'y a-t-il ? Caroline. Je suis Emilio Vargas. Caroline, qu'est-ce qui se passe ? J'ai sacrifié la vie d'un gardien innocent afin que vous partiez. Mais vous n'avez pas écouté mon avertissement. Non. J'ai scellé la fosse. Et toi, tu en as fait jaillir le mal. Je ne savais pas. Comment aurais-je su? La clé est entre tes mains. Scelle la fosse. Enferme le monstre. Que rien ne vienne troubler la paix de cette maison. Caroline, Vargas, revenez, Vargas, je veux en savoir davantage. Non. Caroline. 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 Tu as entendu la voix? Tu as entendu les mots? Il faut que je retourne en bas. La prophétie était vraie. N'est-ce pas ?
Il ne reste rien en quoi nous puissions croire. Pardonnez-moi, mais vous êtes une extraordinaire source d'amusement. Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que je disais? Oh, vous êtes comique. Après tout ce que je vous ai fait, vous n'avez encore rien compris du tout. C'est vous qui avez fait tout ça? C'est vous, monsieur Arnold, ou seul. Vous avez ignoré mon avertissement, vous avez ouvert les portes et cela ne vous a pas paru suffisant. Ce que vous vouliez, c'est percer le mystère de l'universel pouvoir qui vous gouverne. N'est-ce pas exact? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Des comptes. J'aime régler mes comptes. Vous avez de la volonté, monsieur Arnold. Il vous arrive d'en faire mauvais usage, mais néanmoins, vous avez de la volonté qui vous donne une certaine valeur même parmi les vôtres. Mais dites-moi, qu'est devenu cet objet sacré, ce morceau d'excrément? Votre croix. Justement, cette croix. Comment est-elle venue ici? Je déteste qu'on me pose des questions. Je ne suis pas quelqu'un de patient. Cet objet sera bientôt détruit et vous serez témoin de sa destruction.
Où est-il? Règne la terreur, monsieur Arnold. Ce sont vos petites peurs humaines qui la font naître. Et vous en sucez le lait tel des porcs jusqu'à ce qu'elle vous terrasse. Non. Non, elle ne veut pas. Toute une éternité. Pour moi, c'est sans importance. J'en éprouve aucun déplaisir. Non, en ce qui me concerne, rien de plus facile que de vous garder ici plongé dans une souffrance bien plus grande que tout ce que vous avez pu imaginer. Votre volonté ne peut combattre la mienne. Je veux cet objet. Toi, un faible humain, toi qui n'es qu'un grain de poussière, tu oses me braver. Approche-toi. Mon Dieu, ayez pitié. Oui, c'est cela. Invoque son nom, misérable. Cela ne te servira à rien, canaille. Laissez-moi mourir. Supplie. Mon Dieu. Il n'y aura aucun répit pour toi ici.
Thank you.